بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. شيخ سير شيخ فخار، مرحبا بكم، merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Merci aussi pour Dr. Djouhri, Madame Djouhri, qui est là toujours pour répondre à vos questions, à vos préoccupations. Dr. Djouhri, toujours enchanté d'être parmi vous. Et nous mettons, comme d'habitude, à votre disposition un numéro de téléphone pour nous appeler, nous poser vos questions, ainsi qu'un email. avisreligieux@gmail.com. Le numéro et l'email vont s'afficher sur l'écran. Nous commençons, Dr. Djouhri, par les questions qui nous sont parvenues par email. La première question est la suivante. Assalamu alaikum. Je m'appelle Karima. J'habite à Paris. Je viens à vous car je viens de trouver un bon travail. Alhamdulillah. J'ai une voiture, mais une vieille voiture. Et le garagiste m'a dit que, vu son âge, le moteur va bien lâcher. Va bientôt lâcher. Alors voilà, je voudrais savoir si je pouvais faire un crédit à taux réduit pour m'en acheter une. Et sinon, comment faire pour m'en acheter une sans aller contre les règles? Bismillah, wa salatu wa salam. Déjà, le fait de penser aux règles, déjà, c'est bien. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien sûr, il y a une règle qu'on applique toujours. Al-hajatu tunzalu bi manzilati al-dharura wa al-dharuratu bihan mahdhurat wa al-dharuratu qaddaru bi qadariha. C'est-à-dire que le besoin est considéré comme étant une nécessité, et la nécessité parfois, bien sûr, transforme l'illicite en licite, l'interdit au permis. Mais il faut toujours, exceptionnellement, il faut toujours prendre en considération, c'est-à-dire la valeur exacte de cette nécessité-là. Il faut se contenter juste pour s'en débarrasser de la contrainte, on va dire. C'est-à-dire, vous avez une vieille voiture, vous pouvez la vendre et puis prendre cette somme d'argent et rajouter ce qu'il faut avec une petite voiture qui n'est pas trop chère, et c'est-à-dire l'intervalle entre la vente de votre voiture et l'achat d'une autre voiture, que ça soit plutôt, c'est-à-dire réduit au maximum, on va dire, et prendre une voiture qui peut en quelque sorte vous évitez les contraintes d'aller-retour. Même par le billet de la banque. Bien sûr. Bien sûr. Si vous trouvez un emprunt, c'est-à-dire à 0% de la part d'un particulier, un musulman peut-être, il faut chercher d'abord. Hein. Si vous ne trouvez pas, vous n'avez pas d'autres alternatives, d'autres issues, là, bien sûr, vous y allez directement vers une banque avec un emprunt à intérêt, mais que ça soit vraiment réduit, prendre la somme de la vente de votre voiture et l'intervalle, bien sûr, pour en acheter une nouvelle, on va dire. C'est-à-dire, pour expliquer un peu pourquoi vendre la vieille, pourquoi on se met dans ces détails, c'est-à-dire pour dire qu'il faut se limiter. Voilà. Juste au besoin. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont vous dire, vous pouvez vous acheter une voiture qui n'est pas neuve, voilà, une voiture d'occasion, etc. Vous allez tomber sur c'est-à-dire les mêmes problèmes concernant la mécanique, etc. Et les taxes, et ainsi de suite. Taxes. Ça veut dire que... Oui. D'accord, nous avons au bout du fil M. Farid de Blida. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonjour, vous, la base, frère. La base, marhababi.
شوف الحصه تاعي هذه نقول لكم اسمع لي علاش وعلاش دولتنا ما تحكمش على الحق واش قال ربي وين بي وعلاه بوكو الو من دوك الحق 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 وعلاش الحق وعلاش واحد انسان اللي يقتل ولا يدير باطل ما يعجبوش وعلاه بارك الله فيك مرحبا عليكم السلام ورحمه الله الله يجزيك بالخير bien que l'émission n'est pas faite pour répondre à ce genre de questions mais quand même on peut كل انسان في موضعه يتحمل المسؤوليه يتحمل مسؤوليته وراه يدير واش اللي عليه pour moi je vais répondre ainsi c'est-à-dire C'est un sujet à débat, toutes ces choses-là qui se disent par rapport c'est-à-dire, à l'application, on va dire, intégrale hein, de tout l'islam. Même au niveau des personnes, on n'applique pas vraiment l'islam. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a sur Terre un musulman qui applique à 100% en intégralité tous les enseignements de l'islam. Il y a toujours des, on va dire, c'est-à-dire, personne n'est infaillible. Ce qu'on dit pour une personne est applicable aussi pour une institution, on va dire. Et puis, concernant le hudoud, c'est-à-dire les lois juridiques de l'islam, etc., il y a des conditions pour les appliquer. Ce qui a poussé dans l'histoire de l'islam, quelqu'un comme compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda, quand il a vu que les conditions pour appliquer une certaine loi, un certain châtiment, c'est-à-dire lié directement à des mœurs, ce qui concerne le vol, sariqa, etc., il a cessé d'appliquer cette loi-là pendant une certaine période parce qu'il n'y avait pas les conditions qui, c'est-à-dire, gèrent ce genre de châtiment-là. Quand il n'y a pas conditions, on peut en quelque sorte s'abstenir pour ne pas appliquer une telle chose. C'est-à-dire il y a des circonstances atténuantes qui peuvent nuire à la société lorsqu'on applique même une loi peut-être divine. Une loi divine, oui, on la respecte, mais quand on y vient à l'application, là, il y a toujours des conditions à observer. Mais dire que les États musulmans de tout le monde musulman n'appliquent pas l'islam, ça c'est aussi faux. Voilà. Il y a un petit problème quelque part. Il y a toujours des petits manques. Un problème quelque part. اللي وين مداش حقه ولا ما طورش حقه فوالا حنا نقولوا الدولة كاين مؤسسات مؤسس كل واحد شاكان ا لو دووا يحكم بالحق ابتداء من الاب في العائلة بارك الله فيك في المدرسة سي مؤسسات وكل واحد عنده لي زوتي ولي ميكانيزم كيف يلحق يطبق هذا الحق اي كومون ابيرسيفوار ديجا سكي حق سكي ني با Voilà. Donc il y a tout. C'est-à-dire, il y en a, ce que je voulais dire, c'est-à-dire, il y en a beaucoup de gens, quand ils parlent de l'application de ce qui est juste dans la justice, etc., ils ne voient que le hudoud hadik, le qisas, qata'i d-sariq, etc., etc. Mais l'islam est très très vaste, il ne faut pas le restreindre à ces quelques applications qui ne dépassent pas peut-être les doigts des deux mains. Mais l'application de l'islam se fait dans la société d'une autre manière. Et puis, pour appliquer ces châtiments-là divins, il faut y avoir des conditions valables pour cela. Et on a donné l'exemple de Sidna Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda fi am Ramadan. Qui a. Nous avons avec nous, Allah, si vous permettez Inch'Allah. Bien, nous avons avec nous Madame Leïla de Paris. Allô? Oui, salam alaikum, vous m'entendez? Salam, alhaba.
Oui, je vous appelle parce que mon mari ne veut plus que je conduise une voiture parce qu'il a très très peur pour moi. Il a moi, très très peur. Il a peur, oui. J'en dois. Et moi, en fait, je voulais savoir si j'achète une voiture, est-ce que je suis dans le haram ou pas? Ben oui, ma tante, je vous remettais, je suis toujours il y a halal ou ça haram. Se discute entre ça vous. Ça se discute entre vous, il faut arriver à halbinat.com. Ouais. Moi, est-ce que je peux lui poser oui, une oui, question? Vous... Est-ce que vous avez déjà conduit, madame? Oui, j'ai déjà conduit. Vous avez appris à conduire dans oui, une école, oui. Hein? Oui. C'est ça? Vous avez fait toutes les heures de conduite, etc. Oui, j'ai le Ah, permis. docteur Jolet, par rapport à la peur, ce n'est pas par rapport à sa compétence, par rapport à ce qu'il y a dans la, qu'est-ce qui se passe dans les routes, les Mais autoroutes, oui, les dépassements, mais c'est cette ça. peur-là, c'est-à-dire, si on a peur, on ne sort pas de sa maison. Hein. Oui, il a le droit d'avoir peur pour Oui, sa il a femme, bien droit, sûr. mais ça peut se discuter Oui, entre il vous faut autour gérer. d'une table et puis Il faut ça se gérer. gère. Et si c'est une nécessité pour vous déplacer vers votre travail, peut-être pour ramener vos enfants, etc. Il faut qu'il cède un petit peu par rapport à sa Oui, position. oui, oui. Voilà. C'est, ça se D'accord. discute. C'est pas halal ou haram, comme a dit le maître. Oui, c'est Ouais. pas. Mais moi, en fait, je sais que c'est pas haram ce que je fais Oui. et ça m'embête beaucoup. C'est devenu un sujet de problème, en fait. Voilà. Normalement, cette gêne-là doit se lever autour d'une table, autour d'une Est-ce que, assise. si j'ai bien compris, est-ce que par rapport à l'achat de cette voiture, sans Non. qu'ils soient d'accord, Et c'est ça. en par fait, rapport à l'achat? oui, en fait, je voulais savoir si demain j'achète une voiture alors que je sais qu'il n'est pas d'accord Oui. pour que je conduise, est-ce que moi je suis dans le haram, est-ce que je commets un péché du fait que mon mari n'est pas d'accord? Non, vous n'êtes pas dans le haram, docteur Djouhari, vous êtes d'accord? Oui, Vous bien n'êtes pas sûr. dans le haram, Du moment que c'est votre argent, c'est votre vous argent. pouvez c'est-à-dire l'utiliser comme vous le voulez. Hein? Mais le D'accord. fait que vous allez conduire après, on a tous peur pour nos familles, nos enfants, mais il faut que cette peur soit gérée. Parce que quand on a peur pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos parents, etc., lorsqu'on a un excès dans ce sentiment-là, on va les priver peut-être de beaucoup de choses, on va les priver de leur liberté, etc. Il faut que vous vous discutiez autour d'une table et élargir même cette discussion-là, Oui, c'est aux c'est-à-dire proches, aux aux amis. proches, aux amis, etc. Et vous allez trouver, inshallah, une issue. Peut-être un imam en France, oui. Oui. D'accord, D'accord? inshallah. Barakallahu fikum. Marhaba. Barakfik. Marhaba. Salam Pour autre question, docteur Djouhri, de nationalité algérienne, je vis en France depuis 15 ans et suis père de famille. J'ai rencontré beaucoup de difficultés pour me loger. Je n'avais pas un autre choix que le privé, qui est excessivement cher, la location du privé. Cela fait une année que je bénéficie de location étatique qui est aussi chère, Oula. 1000 euros par mois, Allahu Akbar. pour un Salé. salaire minimum de 1200 euros. Oh, c'est C'est-à-dire qu'il lui impossible. reste 200 euros pour subvenir aux besoins de la famille. C'est dur. Oui, Avec c'est le très dur. changement permanent des lois françaises et la montée menaçante de l'extrême droite, je me sens en précarité et souhaite acheter une petite maison afin de procurer une stabilité à mes enfants, bien sûr. L'achat d'un bien immobilier passe automatiquement par un crédit bancaire avec un taux d'intérêt de 1,5% sur 25 ans, sachant que le paiement cash Mais m'est impossible. Il n'existe pas de banque islamique au taux zéro. Bon, vous avez le droit. bien sûr, Avec toutes les précisions, avec tous les détails très bien. cités, Ouais. vous C'est-à-dire, avez. On a assez parlé de ce Oui, problème c'est la de même règle. ce C'est la sujet, même règle. c'est-à-dire s'acquérir un bien immobilier à travers la banque avec un emprunt usuraire. Ça, c'est permis
pour quelqu'un qui est Dans votre dans situation. votre situation. Oui, c'est clair. Voilà, c'est clair. Tout besoin sera considéré comme contrainte, comme nécessité. Toute nécessité rend l'illicite licite. Et vous allez vous acheter, inch'Allah, un bien, qu'il soit, c'est-à-dire un bien qui subvient aux besoins vraiment nécessaires de votre famille. C'est-à-dire, vous avez une famille de 3, 4, 5 personnes, vous n'allez pas vous acheter peut-être un R plus 2 ou une grande maison, etc. Il faut toujours se limiter aux besoins de votre famille. Une Voilà. maison qui avec des enfants. Et puis, quand on dit qu'il y a des fatwas concernant cela, soit la fatwa de Cheikh Hamd Hammani ou soit la fatwa Même du Cheikh conseil, Hammani, il est... et il réduit ça toujours à l'application de cette fatwa cas par cas. C'est-à-dire, c'est à celui qui veut acquérir, en quelque sorte, en acheter ce bien-là, de préciser quelles sont ses conditions par rapport à cette nécessité-là ou à ce besoin-là. Ça Et se résout cas par cas. il a terminé sa question en disant, je souhaite avoir votre regard sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Je suis perdu dans ces fatwas standards qui ne traitent pas du tout le vécu Voilà. des immigrés. Mais s'il vous plaît, nous vous avons répondu. Essayez de ne plus poser la La question une question autre à fois. autrui. Ça y est, Voilà, c'est c'est bon. ça. À Vous avez d'accord, eu la à qui que ce permission. soit. Parfois, à chaque fois, on repose la question, Vous on allez tombe être dans la... troublé par les avis divergents. Bon, nous avons au bout du fil Madame Katia de... Allô? De Nantes. Nantes, Allô? peut-être. Ou la de Nancy. 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 Oui. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien, on vous entend très bien. Bonjour. Voilà, bonjour, merci pour votre émission. Franchement, chapeau, vous nous éclairez énormément. Alhamdoulilah. Très bien, merci. Voilà, et donc ma question, c'est... Donc moi, je suis Katia de Nancy. Et je voudrais juste une question. Je suis infirmière en réa et je sors beaucoup avec le SMUR. Donc on est souvent confronté à des gens qui sont en arrêt cardiaque. Donc, et puis on est là et puis après ils partent. Donc ils décèdent. Et moi en tant que musulmane, je voudrais juste savoir comment réagir. Comment réagir parce que c'est vrai que nous en tant Par que rapport à musulmanes, quoi? Réagir par rapport à quoi? par rapport à la faim, donc quand ils décèdent dans vos bras. Et du coup, la réaction, c'est-à-dire quand on leur dit, bah, par exemple, faites votre shahada, mais ils ne sont pas musulmans. Donc, comment réagir? Et ça me pose problème. Tant qu'il n'est pas musulman, donc vous n'avez Voilà, pas à donc on lui. a... Voilà. Et par rapport à Lui ça, donc inculquer. ça me pose vraiment problème parce qu'on est beaucoup, beaucoup confrontés à la mort et je ne sais pas comment réagir en tant que Non, musulmane. oui, ce n'est pas aussi compliqué, mais on va vous répondre, madame. Voilà. Voilà. D'abord, Oui, c'est bien ma clair, sœur, madame. vous allez faire votre travail. Votre travail, c'est d'apporter des soins. Ce n'est pas de lui inculquer la shahada. C'est-à-dire, votre travail se limite à lui apporter des Oui, soins, donc du coup, on lui lui faire rapporte le des questions, massage on leur rapporte cardiaque, des soins. etc. Voilà. Voilà. Ça se limite à ça. Et quand il s'agira d'un musulman et vous êtes sûr peut-être que ce sont ses derniers moments à vivre, c'est-à-dire lui inculquer la shahada n'est pas obligatoire. C'est pas Oui, c'est obligatoire. bien. Pour un C'est musulman, bien c'est de le bien. faire pour un musulman, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. L'obligation limitée à vous, c'est de lui apporter votre soutien médical. Voilà, Mais seulement. c'est-à-dire qu'on leur apporte notre soin médical, on sort avec les médecins, effectivement. Mais c'est-à-dire que c'est vrai que quand les personnes sont là, ils sont en train de partir. Moi, j'ai déjà eu affaire donc à des musulmans. Ils sont là, il y a la famille autour, ils font leur shahada. Mais c'est vrai que quand c'est des non-musulmans, donc on arrive et puis ils sont en train de partir. Mais moi, ça me met hors de moi de voir des gens partir, même non-musulmans, partir sans la shahada. Oui. Oui. Mais on le laisse à Dieu. Hein? Oui. Oui, on le laisse à Dieu. C'est à Dieu de juger. Est-ce qu'il est parti, voilà, mécréant ou Et musulman? C'est-à-dire, ne vous appartient pas ça ne vous, voilà, c'est ça. Ça ne nous appartient pas de changer le de sort. changer le sort ou le destin des gens. Voilà.
C'est-à-dire même quelqu'un qui n'est pas musulman, on ne peut pas juger qu'il est en enfer ou là. Non, on laisse son sort à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui voit les cœurs. Et puis, est-ce que l'islam a été transmis à cette personne-là jusqu'à, c'est-à-dire, démontrer toutes les preuves nécessaires? Je ne trouve pas le mot. C'est-à-dire, est-ce qu'il a reçu la vraie version, on va dire, de l'islam pour le juger qu'il est mort non musulman ou pas? On laisse ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, jusqu'à la fin des temps, il y aura des musulmans, il y aura des non musulmans. Ouais. D'accord. Donc, faire son travail et pas s'occuper du reste. Voilà, c'est ça. Ok, ben, je vous remercie beaucoup, Allah vous m'avez yebarak bien éclairé. fik. Franchement, du fond du cœur, merci, merci pour votre émission, parce que c'est vrai qu'en l'écoutant, ça nous éclaire sur beaucoup de choses. Alhamdoulilah. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Une autre question, Dr. Djouhri. J'aurais voulu connaître l'avis religieux concernant la PMA, procréation médicalement assistée. Si elle est licite, est-ce qu'il y a des procédés médicaux qui pourraient la rendre illicite? Illicite, oui, C'est la oui. première Oui, question. alors, Alors, une deuxième, on va. d'accord. Alors, cette procréation-là, médicalement assistée, on va dire, c'est l'in vitro, on va dire. C'est-à-dire, on prend la semence du mari et puis la semence de l'épouse et on fait une fécondation entre ces En semences-là, dehors en dehors, voilà, de dans un l'intérieur. laboratoire et on implante ça. Dans le Dans thyrus. l'utérus de la D'accord. femme, et elle tombe enceinte, et puis voilà, elle accouche, Inch'Allah. Ça, si ça se fait dans ces règles-là, c'est-à-dire il n'y a pas une tierce personne qui rentre en vigueur, il n'y a pas une troisième semence, que ce soit une semence d'un autre homme hors que le mari, ou d'une autre femme hors de l'épouse. Et si, c'est-à-dire, on a une certaine certitude que le reste de cette semence-là sera éliminé, on va dire, voilà, et qu'il n'y aura pas une autre Utilisation. utilisation après ça pour d'autres couples, sinon, si on a cette certitude-là et on a certifié avec des papiers, etc., ça restera, inshallah, licite. Mais s'il y a une tierce personne, une semence d'une tierce personne qui rentre en vigueur, où il n'y a pas cette certification par un écrit que ça sera détruit, toutes les semences qui vont rester après cette fécondation sera détruite. Si on n'a pas cette certitude-là, peut-être ça va rentrer bien sûr dans l'illicite. Surtout s'il y a une tierce personne pour la première condition. Mais sinon, s'il y a cette Si par fécondation-là exemple, à partir de la semence des deux époux, supposons ça que je suis restera toujours. concerné, docteur Djouhri, Inch'Allah. et je vous pose la question suivante. Oui. Je n'ai pas ce certificat, je ne suis pas d'accord qu'ils l'utilisent. Ben oui. Bon, ils ont utilisé. Bon, ils ont Ce utilisé sont. à mon insu. À Voilà. mon insu. Je ne suis pas Ça, responsable. je ne vais pas donner mon approbation et je vais demander Sans d'abord me la qu'il y demander, ait. sans Non, me la non. Non, demander. non, moi, c'est à moi de demander ça. C'est-à-dire que le reste de notre semence, moi et mon épouse, sera détruit. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un accord signé entre le médecin traitant et ces patients-là, qu'il y aura la destruction de Très toute bien. semence qui va rester de cette fécondation. La deuxième question, sa deuxième, je souhaite avoir votre regard sur. Non, Ouais. mon mari a fait un spermogramme pour vérifier la qualité de son sperme. Oui. Pour ce faire, il doit. C'est-à-dire, il doit donner sa semence, c'est Oui, ça. Voilà, c'est tout à fait normal. l'acte Ben, de. c'est tout à fait normal. Oui. Pour des fins médicales, pour des fins nobles, ce n'est pas aussi grave que ça. Hein. C'est-à-dire, vu les finalités,
Cela, bien Par sûr, ne n'importe quel doit se moyen, par par n'importe n'importe quel quel moyen, moyen et ça d'accord. ne peut se faire qu'ainsi. Hein. Ça ne peut se faire qu'ainsi. Alors, il n'y a pas de souci par rapport à cet acte-là pour donner sa Donc semence. il n'a pas commis un péché. Non, jamais. Très bien. Salam, je vous envoie ce message pour vous demander votre avis. Qu'est-ce que je... Jamal de Lille. Allô, monsieur Jamal? Oui, allô, Marhaba. salam Salam, alaykoum. Marhaba. Salam alaykoum. Salam. C'est pour savoir la différence entre l'héritage et la donation. On n'a pas bien entendu, s'il vous plaît, répétez la question, s'il vous plaît. C'est pour savoir la différence entre la donation et l'héritage. Mais précisez, Ah, très bien. essayez de préciser le La cas. donation D'accord. et l'héritage, Non mais la différence. la différence. La Voilà, donation se fait quand on est en vie, et l'héritage, c'est ce qu'on laisse derrière nous quand on meurt, et ça se partage par une loi divine. Vous voyez? Mais la donation, je peux donner mon argent, ma richesse à quelqu'un qui est de ma famille, qui est parmi mes héritiers ou qui est en dehors aussi de ma famille, mes héritiers. Je peux donner mon argent à qui je veux si j'ai mes pleines facultés mentales, bien sûr. Hein. Après donation, les héritiers n'ont pas le droit de demander le... Après donation faite Oui. dans le vivant de... Quand il y a donation, Ça y est. ça veut, non, quand il y a donation, ça veut dire que celui qui donne cet argent-là est en vie déjà. Et il y a ce qu'on appelle l'wasiya, l'hiba, l'wasiya, l'mirath. C'est-à-dire, l'hiba, c'est une donation. Oui. Quand je suis en vie, je donne une partie de ma richesse à qui je veux. Oui. Voilà. L'wasiya, c'est un testament que je laisse derrière moi une fois que je serai mort. Telle partie de, voilà, telle partie de ma richesse sera donnée pour quelqu'un, que ce soit pour un héritier, et avec là, c'est avec l'approbation de tous les autres héritiers, parce qu'il y a un hadith dans ce domaine-là qui dit la wasiyata li warith, il n'y a pas de testament pour quelqu'un qui a droit à l'héritage. Et nos savants, c'est-à-dire ont transformé en quelque sorte ce jugement-là pour l'appliquer s'il y a une approbation, s'il y a un accord de tous les héritiers, que sous préserve aussi que ça ne dépasse pas le tiers de toute la richesse pour laisser aux héritiers une grande part, on va dire. Et puis l'héritage, c'est au moment où quelqu'un, une personne meurt, là, automatiquement, sa richesse revient aux héritiers avec des parts bien sûr différentes. Chacun. Autre différence, l'héritage, c'est-à-dire les biens vont à des personnes bien déterminées, qui sont les L'héritage, héritiers. voilà, les héritiers. La donation, je donne à qui? À qui je veux? À qui je veux? L'héritage, la quantité, elle est bien déterminée. Voilà. Un tiers pour Kadal, un Un sixième pour... sixième, un quart, etc. Mais Alors que lorsque la je donne, je ne suis donation, pas je ne obligé. suis pas obligé de limiter en quelque sorte cette donation-là. Je peux donner toute ma richesse pour une association caritative, pour une mosquée, pour une personne. Je peux donner toute ma richesse et il n'y a pas une loi qui limite cette donation-là. Merci, docteur Johri. Nous allons Excellent. vers une toute petite transition. Mesdames, messieurs, restez là.